Dans le débat entre partisans et adversaires d'une évolution de la loi sur la fin de vie, l'argument des risques de dérive occupe une place essentielle. Le gouvernement promet un projet de loi modéré dans lequel l'accès à l'aide active à mourir sera réservé aux malades majeurs atteints de maladies incurables provoquant des souffrances intolérables et dont le pronostic vital est engagé à moyen terme. Mais pour les opposants, ces lignes rouges n'éviteront pas les dérives.